Après, dans quel état nous allons récupérer l'effectif post-Coupe du Monde? Mais je peux comprendre, je sais pas si c'est la déception ou le mécontentement de nos supporters sur certains matchs, et notamment à domicile. Il y a le dernier match à domicile contre Lorient et eux contre Rennes. Il y a une défaite aussi contre Lyon, mais je le répète encore une fois, regardons à ce moment-là comment était l'effectif. Et comme demain, il y aura 8 joueurs absents, et pas n'importe lesquels, c'est l'histoire d'une session très particulière, avec un nombre important de matchs, avec une partie de saison très compacte, où les joueurs ont jamais, aucun joueur n'a joué autant de matchs en si peu de temps. Voilà, mais on fera le bilan bien précisément, mais moi j'attends et j'accepte les remarques et les critiques. Mais je regarde aussi tous les champions d'Europe.